Et je dis, ça a montré maturité justement au niveau de l'opposition, que nous pas parler, nous avons voulu monter, nous parler d'après faits, nous parler d'après actes. Et je dis, encore une fois, moi, remercier dirigeant Vive Haïti. Moi, saluer tout journaliste qui est présent là. Et je dis, nous allons parler de code pénal. Nous avons parlé de code pénal là. N'a parlé d'après fait, n'a parlé d'après article, n'a parlé d'après ça qui est écrit. Et l'un fin parler de code pénal là, laisse ça n'a tiré conclusion. Moi-même, je voulais à travers journaliste qui l'a eu, radio, télévision, pour population comprendre exactement ça qui n'a code pénal là. Moi, fais analyse là d'après article, d'après la loi, mais nous allons mettre dans le langage peuple là pour comprendre justement code là, ça qui la donne. Gagné code ça en premier le n'a pas parlé de lui, il sorti dans le numéro ça, c'est le code pénal la décret. Donc, il est venu dans la presse nationale. Mais m'a montré nous l'autre code qui est là. Ça, c'est code Laurent Fabius, qui est présenté dans le Sénat français 20 février 1986. Premier bagage, il a dit, c'est code ça que nous avons copié. Mais code là, si nous regardons chaque article, nous pouvons le copier. Simplement, côté gain franc, en France, vous mettez good en Haïti. Donc, comment vous pouvez comprendre que nos pays, après 200 ans de fin d'indépendance, pas de monde qui a écrit un code? C'est-à-dire, nous n'avons pas écrit, nous sommes obligés à copier. C'est peut-être sa première nom, nous avons code ça, son code colonial. Son code, côté que nous avons considéré être comme esclave. Y aller pour y copier le code colon, son code colonial. Deuxièmement, ça qui vient dans le code ça. Code pénal, il gagne deux fonctions. En fonction répressive, ça veut dire que c'est code qui pour punir les gens qui fait des ordres, commettent des infractions. Il en fonction expressive, ça veut dire c'est lui qui exprime valeur nous dans la société. Alors que dans le code ça, nous avons son code de débauche. Son code qui parlait de homosexuel. Il parlait de Timoun, à partir de 15 ans, il y a une majorité sexuelle. Son code qui parlait de monde qui fait barrer avec bête. Son code qui parlait de, dans le langage panneau, justement, massissi, madivinèse. Son code qui parlait de ce que si on passe que Pavle font mariage, hein, homosexuel, les arrêter le lien 3 ans de prison. Donc, pour nous, après le code colonial, son code trivial, son code antisocial, son code immoral. Ça, pas dans la société noire. Et ça, la loi fait. La loi valide ça que dans la société a. Mon pas qu'à prendre exception, et puis pour faire le tourner loi. La loi valide sa majorité sociale là, vous pensez. C'est ça, il codifié. Donc, nous avons son code Jean Buonzo dit là, immoral, trivial et antisocial. Troisième bagaille qui est dans le code ça, qui c'est un gros scandale, c'est que dans le code là, il y a écrit amnistie. Laissez un code qui est écrit amnistie. Il faut regarder ça, vous dit dans la Constitution. Dans la Constitution, dans l'article 147, il dit que amnistie, c'est bagaille que le président baille. Simplement en matière politique. Donc, les balles dans le code là, il faut me déjoindre que Amnesty a rapporté sa constitution, puisque constitution l'est, ça le dit, c'est ça qui est dans le code là. Il faut dire qu'il y a Amnesty en matière politique. Non. Dans l'article 221, 222, 223, 224, 225, il dit Amnesty, sauf en matière de génocide, de crime de guerre, de crime contre l'humanité, président, il a dit Amnesty. Et ça, monsieur, il a lavé pécho. Même si vous avez fait voler tout le pays à Petro-Caribé, Dermalog, Sofidaï, Cabri. Depuis que vous avez mis ici, vous n'avez pas coupé. Hein? Vous n'avez aucun cobra à remettre. Deux. Les gens qui étaient complices, vous n'avez pas complice encore. Ça veut dire que, je dis à nous, son code que vous rangez pour amnistier les Petro-Caribé. 4 milliards 200 millions de dollars. Aide internationale que nous avons quitté sous liquide 10 milliards de dollars de 2010 à nos jours.
ça fait environ 14 milliards 200 millions plus Demalog 30 millions, Sofidae 100 millions, environ 15 milliards de dollars oui, que petit pays ça a perdu. N'a fait enquête qu'on y a au cabas amnistie. Nous changeons comment qui te parler amnistie, on te dit c'est opposition. Éric Jean-Baptiste, mais bien je dis à vous découvrir ces présidents qui mettaient amnistie, c'est eux qui ont projet. Donc, puisque vous voulez faire amnistie à ceux qui volent pour le pays, c'est ce qu'on a code déloyal. Donc, c'est un code colonial, trivial, déloyal. Et dernier bagaille, nous avons dit que c'est le quatrième bagaille que nous découvrons dans le code là, nous allons dans l'article 720, 721, 722. Yo te voté une loi dans le pays sur corruption en 2014. Yo te dit si grand monde qui fait corruption dans l'administration publique. Si grand monde qui prend bail en batable, il y a bali, hein, il y a bali en peine de réclusion, c'est-à-dire 20 ans à 30 ans prison et moun ça la payer de 500 000 gourdes à 1 million gourdes d'amende. Donc son bagage tout le monde est content, yo dit bon avec peine ça yo qu'on y a nèg pas bal dans voler. Bon dans code pénal là yo réduit peine yo. Premièrement, yo retire amende là. Si nous regardons, parce que nous-mêmes, justement, nous n'avons pas les fautes de la référence là. Premièrement, ils ont retiré l'amende là. Et puis, ils ont dit, est passible de 10 à 15 ans au plus. Quoi, l'article là? C'est 710, excusez-moi, c'est 710 et 711. Donc, pendant que la loi sur corruption, ils ont même appliqué là, ils ont fait l'autre, ils ont réduit. Ça veut dire, ils ont dit, pas de problème, mon cher, on te met un volet, si ok, bon, pas un pile pète. Alors que longtemps, ou t'as fait 20 à 30 ans et de prison et ou t'as payé entre 500 000 gouttes à 1 million gouttes. Quand il n'y a pas de amende et il a réduit l'autre là de moitié. Au lieu de 20 ans à 30 ans, il a fait le 10 à 15 ans, c'est l'article 710. Donc, son code fatal, parce que le plus gros problème pays a gagné là, 1 million de gouttes là, oui, c'est pour combattre la corruption, c'est pour dire nous allons la corruption. Donc, c'est pour fatal là, oui, ça veut dire que quand il y a eu du monde, pas de problème ou de corruption. Donc, ça nous devait dire. Et je dis à l'analyse sous code là, son code colonial, puisque il est copié par la France là, son code trivial, parce que c'est débauche dans le pays là, il voulait faire Haïti tout un pays de touristes sexuels, côté vous n'êtes venu faire désordre dans le pays là, son code déloyal, parce que le président, il a l'amnistie pour question politique, livré l'amnistie à la question crime financier, et enfin, son code fatal, côté que, là où on est corrompu, c'est peine qui est faite, je dis à l'amnistie, de moitié. Donc voilà en gros ça nous résume dans code ça et nous dit que je dis à président code décret sur cap sortir ou pas gain droit sortir. Yo pas gain droit sortir parce que là nous rivé dans constitution article 150, il dit le président n'a pas plus de pouvoir que lui donne la constitution. Seul côté qui écrit décret dans la constitution, c'est l'Assemblée nationale fin adopter en convention, en traité, il dit que les ratifier sous forme de décret. Pas de l'autre côté encore. Donc, dans ce sens, nous croyons que, je dis, après dénonciation ça et toute force vive pays, c'est l'appel à la mobilisation pour que bagay ça n'est pas fait dans le pays et que nous nous dirigeons vers un pouvoir de transition légale, légitime, qui a orienté le pays ça vers vraiment une société de respect, respect de valeur, une société de respect dans le combat de corruption, dans le fait procès et pour nous arriver dans le changement constitutionnel. Voilà. Et moi, merci à nous, encore dirigeants Vive Haïti, nous avons une opportunité de parler de code ça pour nous, qui sont un code qui n'a pas de place dans la société, puisque le colonial, le trivial, le déloyal et le fatal. Merci beaucoup. Le bestial tout, sénateur. Oui, je dis le bestial. Ok. Nous saluons la presse parlée, écrit à télévisé, qui répond présent dans la conférence pour la presse. Vive Haïti, mouvement social et politique, a félicité la République dominicaine qui choisit un président qui étudie la Harvard, alors que pas bon ici, nos chita n'a voté à Vadra. Et mais qui côté de la pays. N'a pas l'ouvri avec une petite parenthèse, Jean-Jacques Dessalines, l'elle te paraît dans le sud. Il te dit, après ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Vive Haïti, vous l'avez dit, après ça qui passé dans la rue, jour qui était 7 juillet 2020,
côté groupe armé sorti dans la rue en zam nan men de Fontamara rive Cité Soleil, la police pas présent, population livrée pour compte li. Jodi an nous te dwe lever pour nous te joindre tout dirigeant démissionné dans un pays sérieux. Premier monde qui te pour démissionner, c'est Jovenel Mante. Deuxième monde, c'est président conseil supérieur de la police. Nous voulons parler de premier ministre Jout. Nous avons importance avec révocation de Likman Delil. Parce que nous connaissons un bandit au plus important pour Jovenel Mante que Likman Delil. Quatrième monde, troisième monde qui est supposé révoquer, c'est ministre intérieur qui va gagner contrôle rien. Et quatrième monde qui est supposé révoquer, démissionner, c'est secrétaire d'État de sécurité publique. Et dernier monde qui est supposé démissionner, c'est le directeur général de la police. Nous montrons tellement attisant le phénomène d'insécurité qui est dans le pays. Pour récompenser le directeur général de la police, nous nommons frère, magistrat commune qui est plus riche dans le pays, qui est Pétionville. Ça veut dire que nous retrouvons dans le bail bandisam, bail bandicob, simé la terreur, mettez l'insécurité dans le pays. Et tout le monde constate qu'il y a des sittings. Nous pas dormi lancé devant le ministère de la justice côté il a réclamé le droit à la vie, droit pour monde vivre, droit pour monde de sécurité. La police pas présent pour te venir bailler sécurité monde qui était avec pancarte dans main mais depuis de venir pour te bailler gaz. Trois unités présentes dedans la police Boy, Simo, Idmo. Alors que de Fontamara rive Cité Soleil, personne policier pas présent, population livrée pour col. Et je dis à nous venir à l'international. Surtout ces amis nous vrais, faut reconnaître le pays à son état voyou que la donne. Surtout ces amis nous vrais, faut reconnaître, eh bien, madame Elem et madame Lalib a supporté groupe association malfaiteur dans tête pays qui vient la donne Jovenel Mante. Je dis à les pays arrivés dans la dimension ça, font d'accord n'importe bagaille capété. Et je dis à Viva Haïti prend responsabilité. L'on choisit révoquer Likman Delil pour groupe bandit, ça veut dire bandit le plus important pour nous. Et qui est-ce que nous choisi nommer comme nouveau ministre de justice? Comme Haïti, les noms de cité dans la corruption, c'est promotion au bas. Et je dis à nous, dans l'année 2017, on dit 21 septembre 2017, même administration corrompue, ça a été révoqué. Eh bien, nous voulons parler de Rockefeller Vincent, la saleté dans le système justice. Et je vous dis là, vous réhabilitez, vous retournez avec le monde toujours et vous mettez comme ministre de justice. Ça veut dire qui ça? Information qui veut joindre le directoire Viva Haïti. Vous mettez monsieur comme nouveau ministre de justice, je dis. Hein? C'est uniquement pour fabriquer une série de dossiers pour vous mettre sous une série de monde qui dans l'opposition. Et deuxièmement, c'est pour vous attaquer tout. Il y a une série d'organisations de droits humains, parmi eux RNDDH et Pierre Espérance. Et vous mettez monsieur tout, c'est comme quoi que vous avez suivi qui fait pour vous extrader Dimitri, Vinjoigno et pour vous mettre toute la famille Vob en bas code. Vous mettez monsieur pour capable continuer à faire répression des groupes bandits, vous avez dans la rue pour faire répression sur le peuple pour ne pas manifester. Je dis à tout le monde d'accord, Jovenel Mante, mandat fini. À partir de 7 février, nous ne pouvons pas reconnaître tout là comme rien encore. Et Jovenel Mante tellement reconnaître que le bagage mandat. Gardez tout partout là, il a nommé presque une centaine de cartels, agents intérimaires. Et tout agent ça, Viva Haïti, vraiment, honte pour les gens. Des gens peuvent plater par mandat. Je ne veux dire qui choisit à l'arrêter, eh bien, comme agent intérimaire PHTK, c'est comme si vous parlez de Kazen, eh bien, non, mais Rio, bah attaché ZAM, bah attaché COB pour faire répression sur la population. Et je dis, nous venons rappeler avec tout nèg qui est conscient de sa PHTK, pour le faire avec le pays, et côté où mettez-nous déjà, vous avez un grand bagage pour faire, pour démissionner. Moi, je n'ai pas plus de bagage pour dire. Et je vous dis, l'on nèg, tendez le code pénal, ça, sénateur Yuri, se déchiffrer pour nous là, faut d'accord nèg, vous ne pas prendre pour nous. Et vous êtes d'accord, tout début de l'arrivée là, grand goût nous, pas jamais suspendre, pas augmenter. Misère nous augmenter, chômage nous augmenter, la richesse nous augmenter, insécurité nous augmenter. Et nous avons gaspillé une série de jeunes garçons qui sont dans le ghetto. Et permettez-moi de profiter de l'espace ça pour me dire, avec tous les jeunes qui ont des âmes dans la main, plus précisément groupe G9, moi-même, je suis dans une station radio avec
yon représentant PHTK. Et il était clairement dit dans la façon de parler, yon pral éliminer nous, grain par grain, pour yon fin servi avec nous. Comme nous, ces jeunes garçons, même avec moi. Nous sommes dans le ghetto, même avec moi. Moi, je exhorte nous. Nek PHTK, yon n'a pas besoin de nous. Yon a utilisé nous pour faire ça, yon doit faire avec nous. Et tout de suite après, yon a rejeté nous. Je viens là pour me dire avec le peuple haïtien. Vive Haïti prend responsabilité à partir de fin mois de septembre. Pour entrer octobre, nous avons entré dans la bataille. Nous avons entré dans la bataille avec l'objectif pour nous déchouquer Jovenel Mante. Et pour nous chercher l'argent pour tout Caribéa. Qui Kay Michel Malfini, Olivier Malfini, Sandro Saint-Rémy Malfini, Laurent Gagot et Latrier. Mais ma fini net pour me dire, directeur général de la police, suspend pot de valise. Suspend comporté en militant PHTK. Et je vous dis à tout le monde, vous récompensez vous de ce que vous accompagnez bandi yo, dans mettre terreur sur le monde dans le ghetto. De ce que vous mettez machine blindée la police disponible pour faire massacre sur le monde réel de Saline. Récompensant pour le magistrat commune qui est plus riche dans le pays, qui est la commune Pétionville. Peuple haïtien prend responsabilité ou arrangez pour lever campé à fête pour nous défendre l'intérêt pays nous. Pour nous défendre l'intérêt peuple haïtien, mais surtout pour nous défendre l'intérêt monde qui vit mal. C'est donc